Salut tout le monde les amis, c'est Bleach et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de Construisons notre usine agroalimentaire et ça sera sûrement le dernier pour aujourd'hui. Eh bien nous allons faire les dernières modifications, les dernières améliorations là aussi. Alors attendez, je vais juste mettre mon casque pour avoir le son de Minecraft. Je sais même pas s'il y en a en plus. Oui, il y en a un peu. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien c'est donc relier... Le système de redstone de notre piège en dessous, enfin de notre piège, de notre système de cuisson, et ensuite et eh bien nous finirons le tri quoi. Donc là j'ai déjà creusé, là ça va arriver ici, le courant arrive là, j'ai déjà creusé. Donc il me reste plus qu'à relier là-bas au fond. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc je vais aller jusqu'au bout. Et comme ça, on en aura terminé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, je fais ceci. Est-ce que ça va activer? Oui, heureusement, d'ailleurs. C'est bon, ok, donc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je devrais arriver jusqu'au bout, voilà. Donc maintenant, on va essayer. On va essayer. Donc la torche ici est allumée. Donc si elle est éteinte, c'est bon. J'ai besoin d'un bouton, voilà, un bouton... La torche là-bas n'est pas éteinte, c'est pas bon. Ah mais non mais si, je suis con. Alors ce que je vais faire c'est que je vais, c'est pas grave, je vais faire un levier. Je sais même plus comment on fait ça en plus. Je crois que c'est une cobble et un petit stick là. Oh allez monte. J'aurais dû faire des escaliers, tant pis, trop tard, maintenant c'est fini, hein. Et des sticks, j'en ai là. Et on va faire un levier. Alors, pourquoi un levier? Tout simplement pour, voilà, pour essayer, pour voir si notre courant va jusqu'au bout. Si notre courant va jusqu'au bout, c'est parfait. J'ai peur de casser le truc derrière, donc on va mettre, tac. Et on va voir si notre courant arrive là-bas. S'il n'arrive pas, c'est pas bon. Notre courant arrive. C'est parfait, notre courant arrive, donc c'est nickel. Et il va plus falloir maintenant relier le tout, donc on va pas repasser par là. Et on va s'occuper maintenant de la salle des coffres. Alors pour la salle des coffres, il va y avoir quelques petits trucs. Il n'y a pas grand chose, donc là je vais remettre un bouton, je vais mettre un panneau. Je vais mettre un panneau d'abord, je dois en avoir, j'en ai un de panneau, j'ai de la chance. Et là c'est cuisson... sont poulets, voilà. Alors là où normalement il y a le bloc que vous avez vu dans le tuto d'Aipierre, là il y a le bloc et le bouton, vous avez juste à casser le bloc, le bouton qui sert à activer le circuit, voilà. Pour ceux qui l'auraient pas vu, vous avez qu'à aller voir la vidéo d'avant et ça vous amènera vers le bon lien, si je ne m'abuse. Je l'ai pas mise encore la vidéo, donc je ne sais pas, mais normalement ça devrait être bon. Alors j'ai pas plus de trucs que ça, donc je vais en faire d'autres. 8, oui, 8, ça suffira. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toute ma viande cuite. J'ai besoin de Nether. De la roche du Nether, j'en ai pas. Est-ce que je vais aller faire ça? Que je vais aller vite fait en miner. Il va m'en falloir un stack, deux stacks, je sais pas. Ça va être tellement rapide que ça va aller. Voilà. Juste un stack ou deux. Parce que j'en ai besoin pour faire mon système de triage, parce que j'aime bien. Vu que ça, c'est pas des roches qu'on retrouve de partout, comme ça au moins c'est fait. Et c'est pas, on risque pas d'avoir de problèmes. Hop, presque un stack. Normalement. Ah
merci. J'aime pas qu'on rentre dans ma chambre quand je suis en train de geeker. Et encore moins quand je filme. Bon, bref. Alors, ouais, ça devrait aller. Clac, clac. Et on rappelle le passé. Oh yeah. C'est parti. Chou! On disparaît et on se casse. Voilà. Alors, donc ça, de la redstone, on va pas en avoir trop besoin. Je vais déjà déposer tous les trucs qui me servent à rien. Oula, mais qu'est-ce que je fais avec autant... J'avais autant de hoopers? Ah bah oui. Bah oui, parce que je les avais fait. Donc j'ai 40 millions de hoopers. Je n'ai pas besoin d'autant. J'étais allé faire plein de minage de hoopers parce que j'en avais besoin. Je n'ai pas besoin d'autant, hein, mais je vais en avoir besoin. Tout ça va me servir strictement à rien. Alors, tac. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, les ça j'en ai pas besoin, le bouton je vais en avoir besoin, ça j'en ai pas trop besoin, donc j'ai besoin de ça, de ça, de ça, et ça devrait être bon normalement, je pense. Ouais, ça devrait être bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que hop, on va. Alors là, déjà, il y a celui-ci, il va m'en manquer 3 normalement, donc les œufs, les feeders. Les œufs et la poubelle. Ouais. Donc, on va en poser un là, un là, un là. On va faire un straw. Voilà. Et on va faire quelque chose qui relie jusqu'à là-bas. Pour que l'on puisse accéder nos trucs. Vu que là, j'ai pas besoin d'en mettre. Ah bah, j'ai déjà fait en fait le. Ok. Donc là, j'ai juste besoin de faire ça et ça. Et de mettre une torche. Mettre une torche. De mettre une torche. Il a toujours manqué cruellement de lumière ici. Une torche. Et une torche! Voilà! Bon, alors. Là, il doit avoir des objets mal incongrus. Voilà, des œufs. C'est tout. Celui-là, c'est bon. Alors maintenant, ce filtre, il est bon. Ce filtre aussi. Ce filtre aussi. Et celui-là, il manque le plus important. Hop. Voilà, il va en rester deux ici. Un et les autres ici. Voilà, donc ça c'est bon. Tac, 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 tac. Il va me manquer. Ah putain, il va me manquer des escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc non, il va me manquer des escaliers. Pour que je puisse placer mes items frame dessus. Sinon, je peux pas ouvrir mes coffres. Alors, bon, j'ai un peu de trucs, c'est parfait. J'en ai pas besoin de tant que ça. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Ça devrait suffire normalement. Si je peux faire 10 escaliers. 4 escaliers, bon, c'est parfait. 10, non, en fait, je pensais que ça en faisait 3. Donc, non, c'est parfait si ça en fait 4. Hop, et on va placer nos escaliers. Ici. Voilà. Alors, pour ici. Clac, clac, clac. Donc là, ça sera la poubelle. Ici, ça va être les plumes. Et ici, ça va être les œufs. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va. Hop, hop, on va aller enlever déjà notre levier là-bas. On va mettre juste un bouton. Voilà. Ça s'ouvre. Ce qu'on va faire, c'est que on va donc mettre tout ce qu'il faut ici. On va creuser ce qu'il faut aussi parce que on a besoin de place. Plus que ce que je le pensais. J'ai pas de pelle, super. Je vais pas aller loin avec ça. Effectivement, je vais pas aller loin avec ça. D'ailleurs, je vais aller en chercher une de toute façon. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite série, elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de séries sur Minecraft en Redstone, si vous avez un truc qui vous intéresserait, je peux. Minecraft, s'il te plaît. Pourquoi tu bugs? Merci. Ouais, si vous avez des idées à me proposer, vous pouvez me proposer. Pas si vous en avez envie, hein. C'est pas une obligation obligée, je ne vous obligerai jamais. Mais si vous voulez me proposer des choses, des séries, n'importe ce que vous voulez, vous pouvez me proposer, je suis ouvert à tout. À toutes les propositions possibles et inimaginables, en restant dans la mesure du correct.
bien sûr, hein, on va pas faire des choses bizarres non plus. Et normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir vous les proposer. Alors oui, ça c'est la plus grosse pelle cheatée du monde, je sais. C'est pour ça que je l'ai prise. Sinon je l'aurais pas prise. Donc clac clac clac. Et normalement, il va nous falloir donc un truc qui part là. Là je vais mettre un bloc. Voilà, il faut le mettre toujours dans un sens différent. Vous l'aurez remarqué parce que sinon ça va directement se transmettre dans ce bloc et c'est pas bon. Ah putain, c'est ça que j'ai pas. Comparateur. C'est pas grave, je vais aller en faire. Néanmoins, on va déjà faire passer tous nos hoopers. Donc le dernier, ça sera par là. Donc on va mettre. J'ai besoin d'un bloc. Donc ça, je vais l'enlever. On va mettre un bloc là et on va faire venir nos hoopers comme ça. Donc clac. J'ai l'impression que je me suis trompé. Effectivement, je me suis trompé. Bon, encore, pour celui-là, c'était pas trop grave. Dans le coffre. Voilà, merci. Non, alors, clic, 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 et clic. Maintenant, il va falloir que je fasse tout le tour. Ah, ça, c'est cool, je suis content. Et là, normalement. C'est pas par là? Mais si, c'est par là. C'est par là, parfait. Tant mieux. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était pas par là, je me serais posé des questions. Voilà. Et voilà. Et plus que maintenant à faire les houppures. Donc, clac, 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 clac. Et maintenant, jusqu'au bout. Ah. Oui, là, ça va être dérangeant, effectivement. Ah merde. Eh ben, c'est pas grave. Va falloir que tu te pousses. Non, alors là, c'était pas obligé par contre. Clac. Normalement, ça devrait être bon. Là, il va falloir que je me fasse un chemin. Un camino. Pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Ah, mais si, mais non, mais en fait, si. Non, mais en fait. Ah, mais non, putain, mais je suis vraiment con. Putain. Il faut le faire, hein, quand même. Il faut le faire. Non, c'est ici qu'il va falloir que je casse. Voilà. Donc là, la torche, tu t'en vas. Je vais plutôt venir là. Et donc, clac, clac, clac. Et maintenant, il me reste plus qu'à me mettre. Merci. Sur. Bah, à faire transmettre en fait jusqu'à là-bas. Toujours dans le sens qu'on veut aller. Hein. Faut partir toujours de la fin. Pour qu'on fasse toujours aller dans ce sens-là. Donc, clac, clac, clac. Normalement, ça devrait être bon. Parce que là, je me suis trompé. Quand j'ai fait me poser mon bloc. Hop, hop. Et hop, voilà. Maintenant, il va nous rester plus qu'une chose. Une petite chose d'ailleurs. Enfin, deux petites choses, en fait. Il va nous falloir remonter, faire des torches. Ça devrait être bon. Voilà, tac, je l'ai enlevé. Il va me falloir, donc, si je ne m'abuse. Bon, alors, oui, il me reste, excusez-moi, à aller. Oui, non, oui, si je passais par là, c'est pas pour rien. Donc, clac, 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 et c'est sur le celui-ci. Ok. Donc, toc, toc, toc. Ah putain, mais là, ça me gêne encore. Connerie. Va falloir que je casse tout ça. Ça va me gêner, sinon. Tchou. Ah, il commence à repleuvoir chez moi. Je l'ai laissé ouvert parce que j'ai trop chaud. Excusez-moi, mais. Donc 2, 2, 2, 2, 3. Ouh là là. 3, oui, 3. Non, c'est 3, pas 2. Oh, ça, c'est vraiment magique. J'espère que ça n'a pas interféré avec ceci. Normalement, c'est que si je pose un bloc là, donc non. Ah, je vais peut-être casser ce bloc par contre. Ouais, je vais casser ce bloc. Pour pas qu'il y ait de problème avec ceci. Ok, maintenant il va falloir que je fasse la même chose pour là. J'ai mis de la pierre parce que la terre on s'en branle, hein, parce que j'ai mis de la terre, voilà. Donc clic, clic et clic. Hop, hop. J'espère que vous n'entendez pas le bruit de la pluie. Normalement non, mais je suis tellement bien au frais, je vous jure. Alors, par contre, ce que j'aurais pu faire, c'était poser la redstone déjà. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon. S'il pleut trop fort, je fermerai. Ça fait trop de bruit. Moi, comme j'ai le casque en double, normalement, vous devriez pas l'entendre. Mais bon,
sait jamais. Par contre, là, je suis très bon. J'ai visé extrêmement droit. C'était parfait. J'aurais dû décaler chacun de 1, mais tant pis. Voilà, au pire, on en rajoutera un. Mais bon, je vais pas le faire. Hop! Et on va chercher donc des comparateurs. Alors, quand j'arrive ici, c'est toujours le bordel. Alors, des comparateurs, des comparateurs, des comparateurs, des comparateurs. J'ai besoin de Nether Quartz, j'en ai. J'ai besoin de Stone, j'en ai. Et j'ai besoin de torches que je n'ai point. Alors, les torches, les torches, les torches. J'ai besoin de 3 comparateurs. Bon, je vais prendre toutes mes torches possibles et inimaginables. Donc, 9 torches. Alors, 9 torches que l'on va dissocier dans ce sens. Donc, 3, 3, 3. Hop. Et la Nether Quartz. Et on a 3 comparateurs. Et voilà, parfait. Parfait, juste ce qu'il nous fallait. Et maintenant, on va terminer cette petite série par ça. Et on en aura terminé. On va tester hein, plusieurs choses. Mais tout ce qui est niveau circuit et tout ça, on en aura terminé. Alors, je vais vous proposer quelques petites améliorations que vous pouvez faire que je ne vais pas faire. Et qui va vous d'ailleurs une qui va vous coûter cher, mais ça peut être intéressant. Deux petites modifications même, je pense. Je vais voir, je vais faire un peu le tour. Hop, et maintenant, il va nous falloir faire donc 20, 20, 20, 20, 20, 20. Donc clac. Ah mais non, mais là c'est la poubelle. Ah mais là j'ai même pas besoin d'ailleurs. Ah mais non, c'est la poubelle, donc même pas besoin. Même pas besoin, j'ai fait un comparateur pour rien. Clac. Regardez. Fouah! Hop là! Voilà, donc ça c'est pour ceux, les blocs qui arriveront ici. Nickel. Alors, c'est pour ici. Donc, 20. J'ai mis quoi ici? Je crois que j'ai mis les plumes. Donc, les plumes. Les plumes, et bien, on va mettre nos 22 plumes. Et en attendant, on va aller mettre nos 22 œufs. Nos œufs, quoi. Clac, clac, voilà. 21, 20, 20. Et nos 18. Ah, c'est par 16. Ah putain, alors comment ça stack les 16 déjà? Putain, ouais, il y a des trucs spéciaux pour les 16. Alors je crois qu'il faut enlever. Pour les 16. Alors faites, laissez-moi faire une ellipse et je suis à vous dans 2 secondes. Bon, alors, c'est bon, en fait j'ai trouver un petit peu tout seul. Ce qu'il a fallu faire, c'est que bon, j'ai un peu essayé. Alors, je pense que là, il y a un petit peu de netherrack, un petit peu en trop. Alors, pour là, donc, j'ai mis donc 3-3-3-2. Donc, je fais des tests. Voilà, pour avoir 2 œufs. Vous vous mettez dans le sens que vous voulez, hein, je m'en fous. Et normalement, je devrais avoir bon. Alors, on va réessayer quelques trucs. Là, il manque 2 blocs. C'est pas grave. On va essayer. Plusieurs petites choses. Pourquoi peut-être plusieurs petites choses? On va d'abord essayer l'agriculture. Alors, ouais, en fait, on va faire un petit check-up de tout le reste. Donc, on va attendre un petit peu. On laisse l'agriculture activée, enfin, le levier activé. Et on va regarder ce qui se passe, voir si ça se stack correctement. Alors, là, ça a l'air de se stacker correctement. Ah, par contre, on entend une torche se brûler. Alors, en général, c'est pas bon signe. Peut-être que là non, là, ça n'a pas l'air de faire trop grand chose. Alors là, je suis en train de. Je regarde un peu de partout, voir s'il n'y a pas de problème. Ok, donc là, bon, ça a l'air de se stacker plutôt correctement. Là, il n'y a rien dans le coffre. Bon, n'ayez pas peur que je regarde un peu de partout. Donc là, ça se stack correctement. Là, c'est juste pour remarquer le changement. Ici, il n'y a rien. Rien de changé. Tant mieux. Là, les filtres sont OK. Et on va essayer de mettre donc dans notre bah, dans nos hoopers du sable pour voir s'il arrive là où on veut. Je pense que ça devrait arriver assez vite. Normal, là, s'il y a un petit peu de sable, on va en mettre voilà, 7-8. Et on va voir un peu où il arrive. S'il arrive en bas, ça devrait être bon, je pense. C'est pas sûr. Donc je vérifie quand même qu'il n'y ait pas eu de problème au niveau de mes trieurs. Là, ça s'est bien stacké parce qu'il n'y avait que 34 et 14 tout à l'heure. Et là. Alors là, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passait de la dirt? Alors, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de là. Donc, non, non. Bon, il y avait peut-être déjà en fait. Je sais pas trop. Je les ai peut-être rajoutés.
Je sais pas. Bon, c'est pas trop grave. On verra si ça, s'il y a un problème. Normalement, ça devrait le faire. Oh, alors, je refais deux blocs de quartz pour boucher le trou qu'il y a derrière moi. Voilà. Donc là, je bouche. Et il n'y a rien. C'est bizarre. C'est entièrement bizarre. Alors, je vais quand même, voilà, je vérifie un peu de partout. Là, il n'y a rien non plus. Ma foi. Bon. Il va falloir vérifier un peu de partout. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon. Savoir où c'est maintenant, ça va être compliqué. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose ici. Alors, bah, pour trouver maintenant, ça va être sympa. Avec tous les hoopers que j'ai posés depuis le départ. Alors, ce qu'il faut regarder dans les coins. En général, dans les coins, c'est là où c'est le mieux. Enfin, où c'est le mieux. Où c'est le moins bon, mais c'est là où on peut en général se tromper de sens et donc ça ne se transmette pas. Là, ça se transmet pas, donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Bon, là, mes trucs sont bons, mes filtres sont bons. Je vais essayer de casser là, donc non, je vais pas casser ici. En fait, c'est pour savoir si ça se transmettait bien, mais là, non. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Alors, je vais essayer de mettre des blocs. Alors, parce que là où je l'ai lancé, c'est peut-être pas bon. Alors, on va essayer de lancer une pomme et une pousse d'arbre là-dedans. Voilà, parce que je sais qu'au moins ici ça arrive. J'ai déjà fait des tests. Là, il n'y a personne. Là, ça monte bien nos blocs. On entend nos blocs monter. Donc, ça, c'est bon. Et on va voir si ça se stack correctement dans le bon endroit. Alors, est-ce qu'il y a assez de poulets? Parce que j'ai envie de faire un test avec les poulets. Alors là, il y a 3 poulets, donc c'est pas énorme. Et en haut, merci les lags, parce que j'ai plein de lags là depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Oh, là, il en reste assez, donc on va essayer de faire un trou, et comme ça, je vais pouvoir tester un peu le système devant, voir s'il marche correctement. Je l'espère. Un putain de plein de lags. Alors là, je pense que c'est parce que ça charge. Ça doit pas laguer comme ça normalement. Ok, bon, déjà, on va faire un test de stackage de vaches et cochons. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Oui, vu le délai que ça prend. Ah oui, mais non, non, là j'ai eu un problème. J'ai cassé un bloc, c'est vrai. Tout à l'heure. Alors, où c'est? Où ça se trouve? Où ça se trouve? Où ça se trouve? Pas là. Non, mais là j'ai dû me tromper. C'est les moutons, ça, sûrement. Oui, ça les moutons. Les poulets. Ben oui, parce que ça part dans ce sens. Moi, ça ne part pas dans ce sens. Alors, on va remonter, on va voir. Donc, non, ça, c'est pas le bon non plus. Non, je crois pas. Non, oui, non, effectivement, c'est pas le bon. Ah, ben voilà, c'est celui-là. Donc, je vais pas aller dans le bon. Et là. Ok. Donc, là, il y a les hoopers qui m'emmerdent. Ben, c'est pas grave. On va passer sur le côté. Ah, merde. Il y a des hoopers. Bon, eh bien, on va passer par-dessus. On va passer par-dessus. On va prendre de la dirt. Et comme ça allonge. Ce qui est bien, c'est que ça allonge pas au moins le circuit. Donc, comme ça, j'ai pas besoin de mettre de repeater. Là, j'ai fait tomber des blocs. On verra bien si eux se stack correctement. On va voir. On descend. Et on regarde. Ah, alors là, c'est bon. Donc, où est le problème, je ne sais pas. Donc il y a un problème avant, il y a un problème sûrement avant. Je vais vérifier encore une fois. Merde, j'ai lancé un pinceau, c'est pas grave. Il y a dû avoir un problème avant, c'est obligé, mais je sais pas où. Alors, vraiment pas. On va un peu revérifier dans les coins et tout ça. Voire même peut-être vérifier là les blocs qui arrivent ici. Non, non, peut-être. Je sais pas. Franchement, ça me chagrine un peu. Ça me chagrine un peu, parce que là, normalement, c'est tout bon, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. On va essayer de lancer un bloc de là. Bon, bah là, c'est tombé. Donc là, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Et on va lancer de la redstone. Ouais, on va lancer un peu mieux, je pense. Voilà. La redstone est lancée. On va refermer. Et on va aller voir. Si ça s'est mis au bon endroit, normalement oui, ça aurait dû, ça devrait. Ah, donc là c'est bon. Donc il y a un problème avant.
Avant là où j'ai cassé, donc c'est à mon avis un autre problème. C'est un peu gênant. Alors ce que je vais faire, c'est que voilà, donc là on va déjà tester les vaches et les cochons. Donc là on va appuyer plein de fois. On va marteler la touche pour qu'il y en ait quelques-uns qui descendent. Voilà, ça devrait être bon. Là, il y a tout ce qu'il faut. Même peut-être un peu trop. On va aller voir. On va aller observer à notre centre d'observation. Bon, là, les monstres brûlent bien, c'est bien. Est-ce qu'on a un peu de loot? Je sais pas. J'en vois pas là depuis. J'espère qu'on aura quand même un peu. Ah là, y a, oui, j'ai vu des loots. Effectivement, il y a un peu de viande. Ah, eux là, je la viande, c'est parfait. Pour les 16. Alors, faites, laissez-moi faire une ellipse et je suis à vous dans 2 secondes. On va aller voir si ça se stack correctement. Alors, tac, 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 tac. Donc là, il y a un problème, un réel problème sur. Voilà, ça y est un peu trop loin. Sinon, si. Ah, d'accord. Donc là, c'est qu'il y a peut-être des choses ici, ici. Donc là, je casse, là, je casse, là, je casse. Donc en fait, c'est peut-être tout qui est là. Par là. Ça devrait être bon. Donc ça, le little. Hop là. Voilà, on va voir si ça se stack correctement. 10, 0 et 7, et 5. Donc là ça fait clic clic, c'est plutôt bon signe. Là il n'y en a qu'un. Là il n'y a rien. Là on a 19 et là on a 16. Ok. 1, 10, 0 et 5. Est-ce que ça va arriver jusqu'au bout? Je ne sais pas. C'est bizarre d'ailleurs. C'est où qu'il y a un problème? C'est où qu'il y a un problème? C'est où qu'il y a un problème? Alors là, les amis, j'aimerais vous dire que je n'en sais strictement rien du tout. Eh putain de merde! Moi je dis qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ici ou là, en fait. Par là, là. Voilà. Je vous l'avais dit qu'il y avait des choses stockées ici. Parce qu'en fait, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a un souci à ce niveau-là. Donc, je vais sortir. Je vais aller voir mes circuits derrière. Alors là, ça fait un peu de temps qu'on tourne, surtout que j'ai eu un putain de problème de voix. Donc là, bon, là c'est en direct, mais il y a une partie qui sera pas en direct. Tac, tac, tac. Donc l'agriculture, c'est bueno. Je pense que je peux arrêter. Hein. Oui, voilà. Non, mais comme ça, c'est pas activé. En fait, ce qui m'étonne, c'est que rien n'est activé. Donc là, je. D'accord. Donc quand ça est activé. Parce qu'en fait, là, je suppute que je suis, voilà, sur mon comparateur. Et en fait, je bloque tous mes trucs ici. Ok. Je comprends. Ouais, d'accord. Donc là, je peux pas. C'est-à-dire que l'on va faire un petit peu autre chose. On va faire un petit peu autre chose pour pouvoir tout casser. Et pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut. Alors, est-ce que ça s'est rangé? 5, 10. 14 et 6. Donc là, il y en a. Là, il y en a. Là, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Donc là, il y en a eu 10. Donc là, un peu. Donc là, donc ça, c'est bon. Et là, j'ai récupéré mes blocs que j'avais jetés. Donc c'est qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Ok. Bon, alors on va essayer de le résoudre.
Alors bon, sinon, si vous n'arrivez pas à le résoudre, que vous avez fait comme moi, bah vous faites pas comme moi. Ce que l'on va faire, c'est que. Donc, clac, déjà. Allez, cheater, je sais, c'est pas ma faute. Ce qu'on va faire, c'est que. On va. Tac, tac. On va la faire. Aller comme ça, le courant. Et on va faire. Comme ceci. Donc, normalement, si j'active. Ici. Et que je jette des blocs n'importe où. C'est pour. Bon, en même temps, vous ne vous laisserez pas tout ça activer. Donc, je jette des blocs. Un seau, une pelle. Je jette tout ce que j'ai. Tiens, des trucs en plus qui me sont chers. Voilà. Et normalement. J'espère d'ailleurs, parce que sinon, je suis dans le caca. Normalement, tout devrait rentrer. Et on en aura fini avec cette petite série. Ah non, j'ai quelque chose que d'autre que je vais tester. Donc, on va faire descendre. Nos poulets. Ah, des grêlons. Alors, les poulets, on va les faire descendre. Voilà. Donc, là, ça devrait être bon. Il y a des poulets qui sont ici. Voilà. Je vais peut-être en faire descendre quelques-uns de plus. Juste pour dire. Je sais pas combien il y en a, mais c'est pas grave. Bon, et on va faire cuire nos poulets. Et normalement, on devrait avoir de la viande qui arrive. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais on devrait. Donc 16, 10, 19. Et là, il y a tout. Oui, il y a tout. Nickel. C'est parfait, je suis content. Donc 19, 16 et 5. Je vais aller voir s'il y a encore les poulettes jusqu'à là-bas. Normalement non, mais on sait jamais. Plus de poulettes. Donc normalement, ça a dû bien faire. Par contre, juste petite chose, je crois qu'il y a un problème au niveau des poulets là-haut. Merci le lag. Ouais, il y a un problème à ce niveau-là. Vous savez quoi? Il y a un problème à ce niveau-là. Donc là, le bloc se retire, mais il se retire peut-être pas assez de temps. Parce que le bloc se retire. Bon, on va dire qu'on va l'enlever ce bloc de merde. Parce qu'il va me gaver, je vous le dis. Voilà, donc là, ils vont pouvoir descendre. On va éviter de faire des conneries. Voilà. Je lui remets l'eau. Et on va relancer le tout. Bon, normalement, il faut trouver une technique pour bloquer les poulets parce que sinon, ça les bloque pas. Donc, les poulets. C'est pas grave. Je suis désolé pour les lags. Ça sera. Je sais pas pourquoi il y a des lags comme ça. Surtout qu'il n'y a rien qui tourne. Rien de spécial. Voilà. Donc là. Normalement, ça devrait être bon. Et on fait cuire! Donc 7, c'est bon. 16 et 22. Et juste le hopper. Et voilà. Et voilà. Donc tout marche. C'est le principal. La cuisson, elle marche. Ça marche. Et ça marche. Bon, eh bien, on va remonter. On va remonter, on va remonter. Et moi, je vais vous faire. Tout plein de bisous, j'espère que cette petite série vous aura plu. S'il y a des choses à éclairer, dites-le moi, sinon, sinon vous me dites rien. On se retrouve très bientôt de toute façon pour une petite série Minecraft. Il y en a une déjà de prête. Ce sera différent. Mais si vous voulez une série avec de la redstone, dites-le moi. Donc, eh bien les amis, sortez couverts, faites pas de bêtises, et à bientôt.